C'est ce qui passe souvent. Oui. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour les Warriors. D'avoir les cœurs dans mes vidéos. Le cœur avec vous, là, on ne sait jamais. Mais elle ne me dit pas qu'il va pleuvoir là. Mais il pleut là. Mais pourquoi? Il y a le soleil. Mais attends. Eh merde. Et vous allez faire mon parcours vite. Je vais mettre mes médicaments dans mes yeux. Parce que je ne peux pas aller au parcours vite assis. Hein. Barbara Clemenceau, joyeux anniversaire. Joyeux, joyeux. Joyeux anniversaire. Barbara Clémence, c'était ton jour hier, moi je n'ai pas fait attention, donc aujourd'hui on va danser ce soir. Donc voilà. Barbara Clémence, c'est la femme de... Au canal, et pendant si vous ne commentez pas, vous partez de mon mur. Hein? Il n'y a aucun like, aucun commentaire là, ça veut dire quoi? Pourquoi vous m'obligez tout le temps à vous chasser chez moi? Je vous pose la question. Hein? Si vous ne voulez pas me regarder, mais vous partez de mon mur. J'ai 18 000 followers. Les autres ont même les 200 000 followers parce qu'ils ont des pages depuis des années. Ce sont les mêmes pages qu'eux, ils ont. Hein? Moi, la page, ça fait que un an. C'est quoi avec vous? Hein? Si ça ne vous plaît pas, je veux dire, vous partez. Et ceux qui partent là, je vais vous bloquer après. Vous ne me servez à rien. Vous savez, non? Vous voulez seulement un nouveau, seulement la page, comme ça, boum, comme ça commence. Non, c'est pas comme ça. Vous ne me dictez pas ma façon de faire. Ça, non? Vous ne me dictez en rien. C'est moi qui teste ce que je veux faire. Oui, je ne vous ai pas demandé encore les étoiles. Parce que la team, c'est la team de Warrior, vous n'avez pas d'argent ici. Les gens qui me mettent l'argent ici, ce sont les gens qui sortent de loin, qui mettent l'argent ici. Donc, excusez ma vie. Excusez ma vie, hein, voilà. Voilà, il y a le soleil quand même. Mais là-bas, il pleuvait. Ah, c'est les nuages. C'est tout. Barbara Clémence. C'était ton jour, au gouvernement, la journée, on fait de l'anniversaire quand nous, on veut ici. Thérèse, ma soeur chérie, c'est comment? Comment vas-tu? Comment va la famille? Il y a tout le nana. Vous avez un peu de temps. Oh, il va faire beau aujourd'hui, hein, mon ami. Mon ami, il a sorti ses... regarde ça. La faune sauvage. Hey, hey, hey. Faites-vous pas parler fort aujourd'hui, oh. Madame, mon nana, oh. Ouais, ouais. Maman. Ouh. Une grande artiste, Barbara Clémence. Elle sera l'honneur aujourd'hui. Vous voyez les petits trucs là, non? Ça là. Ça, c'est un truc que les enfants ne doivent pas approcher. Parce que, quand vous voyez, ça s'appelle, c'est un acier. Là, il y a un enfant l'été dernier, il y avait où sa soeur même?
Ah, c'est sa soeur, il y a aussi sa soeur. Ils sont deux ici, mais on a enlevé sa soeur. Où sa soeur a fait quoi, oh? La petite fille était en train de pousser comme ça, là. Les pieds, par exemple, ils sont jumeaux. Ça, c'est un garçon. Et sa soeur aussi était où on a retiré le monument, là. Maman, ça a cogné la petite fille sur le visage. Non, bon. Mais pourquoi son frère restait aussi? Ton frère restait pourquoi? Parce que toi aussi, tu pèses aussi. C'est que moi, j'aime les problèmes de plus. Moi, j'aime... Même avec les monuments, moi, je fais des problèmes. Veuve joyeuse, la plus joyeuse de Facebook. Que ça vous plaise ou que ça vous déplaise, je resterai à Facebook. Au canal, imagine au canal. Hey, baba, commence. Imagine au canal. Ah, ça, c'est notre Barbara Clémence. Je vous invite à aller suivre ses musiques sur... Allez suivre ses musiques sur YouTube. Elle chante bien. Au Canada, elle danse bien. Elle vit en Belgique. Elle passe la région de Bruxelles. Il fait beau. Bon, je vais enlever sa photo. Je vais appliquer notre photo. Voilà, donc on a annoncé que ce soir-ci, donc notre Barbara Clémence se prépare. Je pense que ta fille va danser pour toi, Laetitia, que c'est elle qui adore tes morceaux. Donc voilà. Merci pour le cœur, ma soeur, il n'y a que toi. De vous en aller. Je reviens ce matin. Ce matin, j'ai fait seulement un parcours comme ça, mais je ne fais pas de sport. Oui. Comme si j'ai habitué à sortir le matin, c'est quelque chose qui est très primordial pour moi. J'adore sortir le matin. Je vais m'asseoir ici. Bonsoir les Warriors, bonsoir les sympathisants. Facebook, ce n'est pas pour la famille. Facebook, c'est une chose que tu arrives seul, hein? Tu es seul. N'introduis pas ton fils à Facebook. N'introduis pas ta soeur à Facebook. Surtout dans les vidéos de saletés. Voilà ce qui arrive maintenant. Raven Binda, tu as sorti des vidéos de moi là où je prends un coup. Aujourd'hui, tu es où? Moi, je prends mon coup. Hein? Moi, m'a filmé. Quand j'étais moi dans une soirée, comme ça, elle m'a filmé. Après, je suis star. Oui. Parce que tous les stars, il faut que. Une star doit avoir une histoire. Et je peux vous dire que moi, la plupart des filles de Facebook qui font des vidéos font des films d'un coup. Ou elles filment le banga, ou l'héroïne. La plupart des filles que vous voyez, elles sont minces là, elles sont comme ça. Elles ont une vie cachée derrière, que c'est nauséabond. Moi, j'aimerais cacher ma vie. Toi, je ne te connais pas, je n'ai pas un problème avec toi. Moi, j'ai un problème uniquement avec ta putain de soeur, qu'on appelle le mot pipi. Toi, si tu veux entrer à Facebook, il faut être star. Voilà alors tout ça. Le conseil est sorti, oh. Tout est sorti. Et que tout est sorti à Facebook de tous, ma canard, Mbadjo, partagez les directs. Tu ne me parles pas, tu es petite. Hein? Tu as vu tes photos là? Et t'as senti que ta maman est morte au Cameroun? Tu as vu le duplex? Les deux photos que j'ai mis dans ma page, influencées pour le blogueuse état 2, là, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis celle-ci. Hein? C'est quand vient d'arriver la galère. Tu reçois une banquière. La galère allait te tuer. Comme j'ai dit, je répète, excuse-moi, drogologue, mais moi, je vais te niquer ta race de porc. Parce qu'avec moi, c'est comme ça avec toi. Je te connais quelque chose, hein? C'est ta putain de soeur que je connais. Que le pipi qui pisse partout. Avec mon yolo, il faut la soeur. Quand ta soeur se lève quelque part, quand ta soeur peut faire une heure de temps, dans une soirée, elle se lève pas. Pourquoi? Parce qu'elle a fait pipi. C'est mon réveil de travail. Quand je travaille encore. Hein? Donc, toi, tu viens et ça fait vous dire que tu viens défendre les gens. Tu vois comment a fini Renkel? Renkel? Ah ouais. Voilà ta chute avec ta soeur qui est en train d'arriver à Facebook. Oui. Comment vous avez la bouche nauséabonde? On va te finir, toi et ta soeur.
mon Cameroun, vous aurez honte de vous placer devant les gens. Les petits sages gens qui me disent là chez toi, j'ai pitié de parce que je peux les bloquer quand je veux. Mais je ne les bloque pas. Ça fait un peu de moi une star. Toi et moi, on se connaît. La première fois que je te connais, c'était le deuil. Le fameux deuil que j'avais, que Bossard refusait de me saluer. Je veux dire que la première fois que je vois cette chose-là, c'était le deuil que Bossard refusait de me saluer. Elle était là. Tu étais assis derrière, tu es courte, plus courte que moi, tu avais les talons. Ta sœur était assise devant toi derrière, pourquoi tu n'es pas star? Tu manges dans les mains comme ça. Et c'est celle-là qui va me insulter demain. Tu crois mes antécédents à Facebook? Est-ce que tu connais mes antécédents à Facebook? Je te dépose seulement une question. Hein. Tu connais? Vous arrivez hier dans la. Quand on veut la boabaise, Lolo, quand on veut la boabaise, on n'amène pas. Quand on veut la prostitution de Facebook, on n'amène pas sa petite sœur. Parce qu'elle a un problème. Vous n'êtes pas même père. Elle te tient tête. Voilà le problème. Voilà vos vies qui vont sortir. Les voix, tous les voix que la fille comme ça sur toi vont sortir. On a écouté, hein? Eh ben dis donc. Il se manque, hein? Il se manque. Eh ben dis donc, on a écouté les voix, ça, hein? C'est nauséabond. Comment une petite soeur peut insulter sa grande soeur comme ça? Oh! Maman! Sa grande soeur, ce qui insulte que maman, elle ne s'habille pas mieux que Gloria. Ah oui! Vous faites trop confiance aux gens. La gamme de l'Omania, les machins, vous parlez aujourd'hui. Maman, ça fait honte, ça fait pitié. Hein? Vous, c'est moi, vous deux là, hein? Pour vous oublier un peu. Sortez de Facebook. Parce que là, vraiment, on va dans un déjà, un truc aspirage qu'on ne connaît plus. Même les astronautes sont, même les astres sont étonnés pour vous là. Quand je t'avais dit ici, l'autre public, hein, ta petite soeur, si je ne sais pas comment ça se passe, hein. Je vois que chaque fois qu'il y avait Lolo, quelqu'un comme qui, enfin, qui s'amusait pas à insulter Lolo, maman. Sa petite soeur était là où on insultait Lolo. J'ai toujours fait dire ça ici. Aujourd'hui, on est où? Voilà vos misères qui va. Solange, mais vous avez fait bim. Bim. Lolo, vous avez vu? Tout le monde est contre vous. Vous êtes sur la malbouche. Moi, j'étais nourri. Solange, mais t'as nourri. Mais tu as dit que quoi? Que je te donnais l'argent parce que je voulais ton amitié. Solange, mais tu as donné des millions, de 2 000, 3 000 euros. Elle paye aussi l'amitié, hein? Parce que tu es pauvre, tu sais commander. Hein? Tu as une voix très douce. Quand tu commandes l'argent, on te donne. Oui? Oui. Ben oui. Tu as vu comment quelqu'un commandait pour dire que oui. Comme ça, aussi, hier, les gens m'ont donné pour les étoiles. Je veux dire que oui, vous me donnez les étoiles parce que vous me payez l'amitié. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Tu étais rentré du Cameroun, je me souviens, tu avais monté l'argent sous le lit. Les CFA. Le lendemain, tu n'as plus d'argent pour payer une robe. Tu viens commander chez la Veuve Joyeuse. Tu as commandé, tu viens commander, envoyer l'argent, je t'ai envoyé l'argent, je l'ai dit à haute voix. Hein? Rêve m'insulte que moi, je la connais où? Celle-là pour m'insulter. Même mon écharpe Burberry ici, qu'elle porte si ma, tu attends, elle n'est pas portée 100 jours. C'est que la vie ici, quelque chose qu'on appelle ça Chimamadu. Ben oui. Les gens se prennent ici dehors. Qu'est-ce qui se passe? Non, attends, elle m'insulte parce que je suis quoi? Non seulement qu'elle manque que j'ai publié sa nudité. En fait, le fait que sa sœur ait été publiée, elle va aussi dire que, comme c'est moi qui avais publié, soit disant que sa sœur. Donc, du coup, il faut ce qu'elle dise que elle aussi a été publiée par qui? Par moi. Quand je te connais, tu es mon ami. Hein, qui te connaît d'abord? Faites votre concurrent des maniocs là-bas derrière. Donc, je vais à l'hôtel là. Je crois que ça, c'est 4 hôtels. Ça, c'est 4 étoiles. Moi, j'ai beaucoup aimé l'hôtel. Si je vais aller faire pipi, je vais aller aux toilettes. Oui, on a accès aux toilettes. J'adore. Chevalier.
les séparer. C'est chic ici. Bonjour monsieur, je peux aller aux toilettes? Oui, juste sur la gauche, après le sofa. Merci beaucoup. Les yeux comme ça, les yeux que depuis l'autre jour là. Nous, je suis à l'hôtel. Je suis à l'hôtel là. Les toilettes, ils ne sont pas dignes, cet hôtel. Vraiment. Et que j'aime en vente. C'est parce que. Attendez, on va procéder ça. Non, 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 c'est comme ça. On va parler. Parce que les toilettes, c'est. L'hôtel que je vois ici, ça n'est pas digne de cet hôtel. Ça ne tombe pas. Attendez, je veux faire. Parce que je ne crois pas que c'est l'hôtel Les Cavaliers. Parce que là, quand je suis entré comme ça, il y a un long couloir comme ça qui va là. Je veux faire un constat parce que je ne crois pas. C'est le même hôtel en fait. Oui, c'est le même hôtel. Ben oui. Ben oui. Oui, parce que ça. Là, c'est l'hôtel Le Roi. Non, ce n'est pas la même chose. Voilà les bons hôtels ici qu'il faut venir souvent boire les verres. Comme je suis une gamelle, sinon j'allais venir boire. Il faut que je vienne ici un soir. C'est pas donné ici hein, quand même. Hein? Bonjour. C'est le même hôtel que l'autre côté l'hôtel Chevalier. C'est le même groupe. Les hôtels différents, mais c'est le même groupe. Ah oui, parce que oui, parce que je vois que c'est les mêmes structures et tout ça. Exactement. Okay. On a juste l'hôtel 5 étoiles ici parce qu'il y a tous les services de sauna. Ah oui, spa, etc. Ah oui, spa, etc. Il y a la piscine aussi ici. La piscine aussi. Alors la piscine est gratuite. Si vous prenez la chambre ici, vous pouvez aller à la piscine juste. Et si il n'est pas pour la chambre, il ne peut pas venir à la piscine. Je pense que. On peut demander. Non, la piscine, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas, à laquelle vous ne pouvez pas accéder depuis l'extérieur. Oui. Par contre, vous pouvez aller au sauna, à MAM et toutes ces petites choses-là, même si vous n'êtes pas à l'hôtel. Ça, mais c'est des gratuit trucs qu'on peut faire. Non, pas gratuit. Bah, payant quand même. Il y a plusieurs tarifs différents, vous pouvez regarder sur internet ou alors demander directement à la réception. D'accord. Parce que j'ai besoin d'un MAM. Mais ces choses-là, vous pouvez, oui. Ok. Merci, je vais quand même demander. Ça risque d'être nécessaire de prendre un rendez-vous, mais c'est tout. Bah, prendre un rendez-vous. Bon, c'est possible, de toute façon, selon les disponibilités. Bon, de toute façon, je suis encore là. Ouais. Je regarde un peu Carcassonne. D'accord, vous êtes de passage ici en ville? Mes enfants habitent ici. Ok. Mais c'est moi, je suis de Paris en fait. D'accord, donc, quel âge ils ont vos enfants? Ils sont grands déjà. Hein. Ouais. 28 ans et 24 ans. Et comment ils s'appellent s'il faut que je les connais? Dégrément et Dégrément. Tu connais pas. Elles sont très discrètes. Elles sont très discrètes. D'accord, ouais. Ah bah. Elles font plus mal dans celui-ci. Ah oui, oui. Les jeunes qui font pas de bruit. Ah non, elles ne font pas de bruit. Okay. Merci c'est beaucoup. Des gens qui écoutent ça. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir. On était où les Warriors? Les routes, non. C'est tellement étroite que tu as seulement les gens te peuvent même te couiller ici là. Gamon yang a bawave ayena o jamine imana kome biawa.
merci pour les cœurs. Imana Kome, bien wop, Imana Kome. Il y a mes soeurs qui m'ont fui depuis. Imana Kome, après, il n'y a pas de problème. On dit qu'à Facebook, on y a sur Facebook, ce n'est pas pour les enfants. Facebook pour détruire ta réputation. Ça peut détruire ta vie. Surtout les gens qu'on nous appelle que les blogueuses bracatassi. Comprenez, non? Il faut seulement être forte. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, cette famille, surtout Lolo, Lolo, les gens ont la rancœur contre Lolo ici dehors. Hein? Il y a la rancœur, hein? Moi, je vous dis. Hein? Moi, je vous dis. Donc, comme ta petite aussi entre, elle vient m'insulter. Elle met les anciens voix de moi. Elle m'insulte. Elle me met là où je prends le contrat. Mais, c'est ta soeur qui t'envoie tout ça, non? T'as pour ta soeur, hein? Maman? L'angoula, c'est mon bien-être. Ta soeur, c'est écartement. Elle a même beaucoup de vidéos, maman. Tu vois où elle monte sa news, son anus, carrément cambré comme ça dehors. Les voix sont là. La nudité est là. Après, les gens vont dire que non, ce n'est pas Lolo. Je veux remettre ça. Quand je promets quelque chose, je veux le faire. Tu vois, non? Je veux savoir comment je veux mettre la vidéo là. Je veux d'abord travailler la vidéo là. Je mets le cœur au milieu, j'écarte comme ça. Tu vas voir comment ta soeur écarte. 55 degrés l'ouest. Bangante l'endé. Tu parles à qui? Mais arrête un peu. Toi, tu viens tuer les gens dans les. Tu vas aussi être ça parce que tu fais la concurrence avec ta soeur. Vois les voix, c'est là qui sont sortis. Vois les voix qui sont sorties. Les voix. Moi, j'appelle ça les voix. Qui sont sorties. Là où tu insultais ta soeur. Là aussi, ta soeur aussi t'insulte. Que tu es quoi? Tu n'es rien. Que sa petite. Même sa petite fille, elle s'habille mieux que toi. Eh, mais dis donc. Quand c'est petite soeur, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà avec un gars ensemble, comme on t'amène là partout, on t'embête avec tout le monde, tu sais comme t'as pas touché aussi ta petite soeur là. Ha! Ah! Non, 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 c'est magnifique ce matin. Tu vois, il n'y a personne dans notre parcours vita. Il y a de l'air pur, il y a de l'eau. Même l'eau est calme ce matin, vous avez vu? L'eau est calme ce matin. Hein? Oui. Vous avez dans les réseaux sociaux. On ne vous connaît même pas. Maman, quand comme n'a pas les soeurs, elle n'a pas un fils. Je n'ai pas une fille. Tu as eu mes enfants des réseaux sociaux. Hein? C'est pas ta propre putain de soeur qu'on appelle le pipi à la con. C'est elle qui commence à insulter mes enfants aussi. Hein? Oh, les enfants sont là, sont des junkies. Ils sont en train de commander dans la gare de l'Est. Tout ça. On peut être amis, hein, mais quand il y a un profond ressentiment, même si tu veux essayer d'être gentil avec quelqu'un, on se va sortir. Un insulte mes enfants, tu veux montrer que je ne suis rien Lolo, mais je suis quelqu'un qui est. Je suis une femme intègre. Je fais à manger à mes enfants chaque jour. Je m'occupe de ma petite fille. Je bois mon petit Dagobert, ça ne dérange pas, ça ne chauffe pas. Toi alors, tu as quoi? Rien, tu n'as rien. Moi, les militaires là, sont encore là. Toi, tu n'as rien, obligé. Moi, je n'insulte pas les femmes qui ne doivent pas accoucher. Hein? Mais attends. Dans ta vie, qu'est-ce que tu peux dire que tu as, qu'est-ce que tu as accompli dans ta misère de vie? Tu as commencé à faire, oh, tu es devenue blogueuse, tu vas t'occuper des problèmes des réseaux sociaux, ça a échoué. Oh, tu t'occupes dans le nozo, ça a échoué. Oh, tu es maintenant Mamine Power, ça a échoué. Oh, tu vas maintenant vendre les vêtements en ligne, ça a échoué. Parce que quand même, oh, je t'avais appelé pour dire que le nozo, c'est la veuve joyeuse. Elle avait mis un ensemble là qui était beau. Elle m'avait dit que c'était à l'époque de prendre les 38. Elle m'a dit que c'est. Il y a 36, 38, 40. Mais moi j'ai dit que en bas ça peut être 40 ou 38. Mais en haut c'est 36. Autant a dit qu'il va faire quoi? Il va faire. Parce qu'il a pitié d'elle. Qu'il va faire le quoi? Ouais, laisse ça. Autant vous voulez l'argent. Autant vous les étoiles. Courage. Autant vous faire quoi, hein? Ah bon, j'ai tout mis pour y'a dit. Il a défendu sa prostituée, c'est tout. Parce que les deux là s'aiment. Je ne sais même pas ce qu'on t'a fait avec ces prostituées qui sont dans ce moment-ci. Hein?
On t'aime, aime de l'eau, ils vont se remettre, ils vont se mettre ensemble, c'est le cœur. C'est quand le cœur aime quelque chose, non? Quand moi, avec pas d'Arobert, je peux m'en passer, non? Quand moi, avec la nourriture, mais pour la nourriture, pour l'instant, je ne mange plus beaucoup, hein. Je ne mange plus beaucoup. Le matin, comme ça, je ne mange plus du tout. Oui, j'ai un destin, je ne mange plus le matin. Oui? Maintenant, je préfère manger une fois dans la journée. Je rentre là. Aujourd'hui, c'est la sauce d'arachide avec le gombo. Gombo, sauce d'arachide. Avec le foufou. Je m'assois sur ça, je lime une fois. Un gros porc. Mais quand il y a un non, non. Il va aller dire quoi, il chassonne. Est-ce que je t'ai demandé pardon, non? Hein? Pourquoi il chassonne? Ah, Facebook, c'est... Facebook, c'est ma shit, c'est la chimamelu. C'est le calme avant la tempête. Dis donc, t'as qui se calme, dis donc. Calme-toi, tu viens défendre ta pute. Ta prostitute. Hein? On t'a dit zéro pardon, hein. Mais, moi, j'ai dit, on t'a même d'accord avec moi. Le pardon de quoi, hein? Le pardon de quoi? C'est le pardon, sujet. Hein? Nous, là, toi, la bouche. Que toi? À nous, tu es, oui, hein. Ok. Voilà où je viens de sortir le parcours. Voilà les parcours. Sont ici remplis ici à la maison. Quand une petite fille a une petite fille a le poids pareil, vous-même. Hein? Quand tu laisses un enfant grossir comme ça, il a même pas 12 ans. Massa. Aïe. Tu lui fais courir, elle mange les bonbons après. Franchement. Non, on n'est pas là-bas aujourd'hui. Ouais, au Tamaropon, zéro paix. Je suis avec toi de tout. C'est ce que moi j'aime plus. Moi, échanger vite la bouche, non? Moi, tous les matins, je dois marcher comme ça. Pour maintenir mon équilibre moral. Et prendre l'air frais. Alors, si la chambre est là, la chambre sont déjà imbibée d'alcool. Imbibé de joints et des piqûres d'héroïne à l'heure ci. Que la star qui peut sortir à l'heure ci se promener comme moi. Merci pour les étoiles, premièrement, merci. Non, vraiment bien, je te donne d'abord l'avertissement que je peux te finir. Quand vous avez cru que comme tu as cru que ta sœur est devenue quelqu'un à Facebook, qu'elle est devenue sitar, la sitar de Facebook. On est parti à la canne là-bas. On l'a publié, non. Moi, m'a publié. Et vous nous parlez quoi? Que la drogue a fait quoi? Hein? Tu vois ta sœur comme binda partout, des positions de chien. Comment? On l'attache même comme le cabri. Comme un cabri mort. Donc l'homme t'attache dans un lit. L'homme t'attache au lit. Il part boire le vin. Parce que ma doit boire le black and white. Black and white. Il part boire le black. Où c'est le black label? Où c'est le zabaza? Il part boire ça. Il rentre. 2h du matin, tu es attaché. Tu ne peux pas crier à ta épouse qui est à côté que félicitez-vous, viens me livrer. Ça te plaisait que quand il va arriver. Quand tu vas attacher, imagine le cœur de ça. Tu attends comment? Tu ne peux pas crier que aidez-moi, on va attacher ici. Tu es resté comme ça. Tu ne vas pas libérer. Tu es resté comme ça pour attendre que tu m'arrives, pour qu'il te file là. Hey! Là, tu te mens. Sans rien. C'est vrai que quand l'amour nous tient, hein, on n'est pas dans ce soumet, la soumission de ça. Et à Facebook, elle dit, oh, moi, la fille de commissaire Prisem Biaï. Imbécile, rien du tout. N'était rien.
me dit que bon, John, il t'attend sur ton mari, tu es son esclave. Hein? C'était ton mari. Hein? Non. Parce que vu que dans la maison là, il lui a une chambre là-bas, là où il y avait un matelas au sol. Là, quand on tournait avec le pipi, la fille était à côté parce que la fille faisait un tchitchi. Les clients montaient, descendaient dans la chambre, dans sa chambre là-bas. Tu ne peux pas croire que aide-moi. Tu as attendu qu'on t'en rentre de son travail. Tu as attendu qu'on t'en rentre. Hein? Tu as attendu qu'il rentre. Et oui. Et il rentre en plus, c'est en dessous. C'est sûr que je suis là, tu n'as même pas un bina parce que je connais quand il y a des temps sous pour eux se laver. S'ils peuvent devoir se laver, c'est pour dormir. Tu attends, au terme, attache-moi, détache-moi, non. Libéré, délivré. La délivrance, c'est ça. Et quand on la délivre comme ça, elle croit qu'on t'en va encore bina avec elle, on t'a dit qu'elle ne bina pas. Ouais, maman. La contamination de ça. Otam, pardon, ce sont des vrais, oui. Parce que toi, il peut te porter plainte, hein. Parce que je tue avec toi, je dis, chérie, fais-moi l'amour, fais-moi l'amour. Tu as enregistré. Est-ce qu'on a enregistré son Sanjomba? Il m'a tout enregistré pour quoi, Otam? Moi, je peux te porter plainte, hein. Oui, tu m'as enregistré. Et c'est puni par la loi. Hein? Et tu es maintenant dans les réseaux sociaux. À la vadique populaire, celle-là dit que moi j'ai un long clitoris. Les gens m'adorent les longs clitoris. Toi, tu es formé comme une petite fille. Formé. Tes fesses sont comme ça. Maman, elle est partie jusqu'à raser. Hein. C'est noir, le derrière est noir, le devant est noir. Maman, là on te file là, les vraies choses. Quoi? Toi et ta petite soeur, c'est quitter les réseaux sociaux, dis donc. Allez vous cacher un peu comme rien qu'elle a fait. Parce que toi, tu es la dernière des dernières. La commandeuse de pommes de terre. J'ai dit que tu es la dernière des dernières à Facebook. Donc tu ne peux même pas avec moi. Je dis que Lolo, dans tous les sens, je peux bagarrer avec toi. Je peux bagarrer avec toi, ma chérie. T'inquiète. C'est la bagarre là. J'ai l'argent plus que toi. J'ai tout avant toi. J'ai ma maison. J'ai mes papiers. Mon mari au cimetière, comme ton père au cimetière, comme ta pute de mère au cimetière. Oui. Oh, moi, je porte leur nom. Ta mère t'a mis au monde pour relever les biens de ton père. Hé, hey, comme sa fille de commissaire priseur. Hein? Je n'ai pas le temps de faire quoi? Je n'ai pas le temps de construire. Mon père a construit. Il a construit où? Vous avez combien? 27 enfants? Hein? Sans compter les petits-enfants, donc tu veux ta petite rien pour ta misère vie pour aller espérer avoir quelque chose dans les maisons que ton père a laissé. Tu es né pourquoi fallait dire une fois à la naissance. Hein? Tu vois, ta mère est contente que tu as fait un enfant, tu as jeté à la poubelle. Ton enfant est là en Belgique avec 4 petits-enfants, une fille, 3 garçons. Ici en Belgique, Nian, c'est ton fils. Hein? Dis la vérité. On a encore on dit attends. Oh ma chérie, là, comment tu descends partout. Tout le monde te descend, tout le monde est contre. Solange Butin finit une fois. Brossangui ne parle plus maintenant. Quand ça a dépassé Brossangui, elle est partie supplier son mari qu'elle a mangé chez les Chinois. Jusqu'à même la vidéo dit. Eh hey, chérie, il faut seulement griller la nourriture là. On va seulement manger. Je m'en dis, connaissez pas Facebook. Njangi na njangi, wata na wata. Est-ce que c'est ça? Eh oui. Je n'ai pas besoin de ça d'abord aujourd'hui. Njangi na njangi. Njangi na njangi, eh. Vous ne commentez pas pourquoi. Si vous les mettez dans le pipi, allez chez elle, hein. Ne venez pas rester chez moi, hein. Moi ici, je veux les cœurs, les étoiles, les likes. Et les cœurs, vous ne l'avez pas, vous ne commentez pas. Pourquoi dans ce terrain, c'est qui fait le travail seul. Et vous faites quoi? Si vous l'aimez, vous avez trop pitié d'elle, allez dans son vie, désabonnez-vous de ma page. Désabonnez-vous, allez dans sa page. Oui. Aujourd'hui, d'abord, pour commencer,
Je vais me faire, je vais vous recenser comme les animaux. Ça veut dire que quoi? Je vais regarder tout le monde qui fait quelque chose dans ma page. Je tape ton nom, je vois le nombre de likes que tu as mis dans ma page. Je vois le nombre de likes que tu as mis dans ma page. Je vois le nombre de commentaires que tu as. Si tu n'as rien, maman, tu pars. Moi, j'ai besoin de nouveaux gens qui me mettent des étoiles. J'ai besoin de nouveaux gens. Après, vous ne servez à rien. Je ne sais pas combien vous êtes là. Vous êtes combien là? Vous êtes en arrière. 50. Parce que moi, je ne veux pas le nombre de personnes que moi j'ai. Hein? Vous êtes là, vous ne foutez rien dans la vie. Hein? Partager, ça devient un problème. Vous avez de belles jambes. Hein? Mais il est petit. Moi, j'aime les grands hommes. Comme sur leur parcours là-bas, mieux que leur parcours. Je marche ici. Elles sont là partout. Tu vois certaines, maman. Tu vois certaines. Aujourd'hui, elles sont amies avec toi. Elles peuvent te salir après. Parce qu'elles t'ont envoyé 50 euros. Le bab de vos mamans. Hein? Vos maris vous ont quitté. En partant avec, avec vos femmes de ménage, les bonnes. C'est moi que vous parlez. Vous vous étiez mariés avec les bons blancs là. Hein? Elles vous ont laissé partir avec les bonnes. Vous me parlez, moi. Moi, si faut que monsieur soit vos salivis dans les réseaux, c'est pas sorti ça. Hein? Hein? Vous vous aimez tout entre vous. Restez donc alors entre vous. Oui. Ça sert à quoi? Moi, je n'ai pas envie de te laver toi si. Tu sais de quoi je veux parler. Je ne suis pas ton nom. Je veux te laver propre. Hein? Vous faites semblant quand on vous aime. Là que vous aimez les autres. Dès qu'on a un problème avec une personne de votre communauté, vous vous ralliez, vous faites le bloc dans votre communauté. Alors que derrière, vous vous déchirez comme les chiffonniers. Hein? Mon mari au cimetière, oh. Pardon. Lolo, tu vas mourir sans être marié. Ta punition, c'est ça. Ta punition, c'est ça. Voilà Aya Robert là-bas. On l'a cité aussi comme toi. Qu'elle n'a pas d'enfant. Grâce à ses vues. Oui. Grâce à ses vues qu'elle a eues. Grâce à vos dons des réseaux sociaux. Elle a fait l'intro vitro. Oui. Elle vient d'accoucher il y a 3 ou 2 mois. Oui, toi tu veux connaître ton argent. Oui, Aya Robert, oui. C'est vrai. Hein? Aya Robert, c'est qui avait dit que je vous avais prévenu. Oui, ça vous mentir. Elle a gagné l'argent dans les réseaux sociaux. Toi tu es parti faire quoi? Payer le make-up pour séduire au tam. Pour montrer que je suis belle. Voilà la beauté, la vieille, ces gens-là. Même Aya Robert se moquait d'elle qu'elle n'avait pas d'enfant. Hein? L'argent que vous, les gens, vous avez l'argent quand vous donnez les 100 000 étoiles par soirée. Donc, imaginez 100 000 étoiles, peut-être 3 fois, 4 fois par mois. Ça veut dire que les 4 000 euros, hein? Oui, c'est de l'argent. Tu as fait quoi de tout ça? Le jour, tu gagnes 7 000 euros, 6 000 euros, 8 000 euros par mois. Oui. Oui, sans compter. Elle fait le make-up. Voilà Aya Robert qui a. Elle a même quoi tout. Après tout, même si ce qu'elle avait fait, il faut prendre le temps déjà. D'abord, tu n'as pas le cœur d'une maman. J'ai vu comment tu fais avec Gloria. Tu es une maman indigne. Oui. Ma fille. Quand on voit la façon qu'on goûte ça, Ngossa fait ses enfants et toi. Non. Je préfère encore Ngossa. Pas parce que pour l'instant, je baisse mon corps avec elle, mais je vois quand même que c'est une bonne maman. Ngossa mérite même d'avoir des enfants. Elle aussi, Ngossa, toi aussi gagne l'argent, non? Bon, tu fais des trois filles. Mais non, on peut mettre des enfants même éprouvettes. On te met dans le ventre. Hein? C'est tout. Voilà Aya Robert là-bas. Elle a maintenant aussi, c'est un seul. C'est un Mouna. Un Mouna. Eh oui. Là, c'est un Mouna. Il faut vraiment avoir un que de rester comme ça, lent et lent, contre les enfants des autres. Tu vois que la petite Gloria, là, elle va grandir. Elle va grandir un jour. Hein? Elle va te regarder encore, jamais. Voilà les enfants de Raymond Bia, ils sont venus à Paris, te regarder visiter un jour, jamais. Mais toi, tu pars chez ta copine que tu as connu des réseaux, c'est ce qu'on appelle Pelga. Tu pars chez Pelga. Je ne sais pas quand tu peux faire la prostitution chez Pelga au Bervilliers. Ceux qui fabriquent les perruques là. Ceux qui font les perruques et les perruques. Elle a ses enfants, elle est mariée. Elle a ses enfants, Pelga. Oui.
C'est les enfants là quand tu portes chaque jour. Oh mon fils, oh, il est beau, ma chère. C'est parce que tu es une femme à part. C'est-à-dire que tu pars, comment tu pars rester là-bas chaque temps pour faire ta prostitution là-bas. Parce que quand elle est au travail, les enfants vont. Elle travaille normalement. Les enfants partent à l'école. Toi, toute la journée, elle vit seule. Tu fais allô, allô, tu te couches là, tu fais avant qu'elle arrive à 16h que les enfants arrivent. Tu vas chercher les enfants à l'école, tu les amènes. Oui. Tes enfants de les cœurs, dis donc. S'il vous plaît, merci les cœurs. Les enfants de tes propres sœurs, qu'on appelle Reven Mimbang, Bogde ou des réseaux sociaux. Hein? Tu les as déjà montré un jour. On t'a déjà vu en Allemagne chez ta sœur un jour. Je te pose la question. On t'a jamais vu en Allemagne, on t'a jamais invité. Hein? Quand tu pars en Allemagne, c'est pour aller errer, sucer les eaux. Les eaux dans les soirées qu'on t'invite ou dans les mariages. Les mariages cotisés. C'est tout. Hein? Regarde-moi, je prends mon temps ici, je viens ici, rester ici. Maman, je dis, hein. C'est son hôtel ici, je peux même monter ici. Il n'y a pas un client qui est là. Waouh! C'est quoi? Hôtel, peuple. Ah ouais. Space. Social. Non, il n'y a plus de nightclub. Avant, il y avait un nightclub. Easy, connectivity, smart room. Ah ouais. Mais c'est bien quand même, regarde, c'est... Attends, je vous montre ça. C'est beau, hein? Donc, c'est comme les Airbnb. Ouais. Mais c'est... Je suis gentil, sinon. Donc, en bas, c'est un peu comme un étudiant, quoi. Mais alors que c'est en haut, c'est beau, hein? Mmh. Ah oui? Et les tribes. Tribe Junior. Confort, il y a quand même des chambres sont quand même chères ici. Hein. Mais laisse-les mettre les têtes de mort. Ils n'aiment pas la vérité. Ça change quoi? Ça change quoi? Ma vie est comme elle est. Ça ne change pas. Moi, j'ai une belle vie. Hein? Hein? Vous sortez les anciennes vidéos, les marchés, vous mettez. Papa, rêve un bien, il a dit que. Hein? C'est un avant-goût que je t'avance. Un avant-goût, je veux te terminer ce soir. Regarde-moi une saleté comme ça, une poufiasse. Une vieille femme qui est née dans les années 20. Tu viens à tous les problèmes des réseaux sociaux pour défendre ta soeur. Fais-tu quoi devenir quoi? Une usine familiale à déchets. Une usine familiale à déchets, j'ai dit. Regarde-moi une sale prostituée comme ça. Telle soeur, toi au moins, tu t'es marié avec un blanc. Maman, chaque fois que tu peux au cabot, tu vas apporter la grosse. Les enfants sont noirs. Maman, quelle vie sans compter celle de l'autre pupille qui n'a jamais eu même le mariage, même le toqué porte. Le bambin qui vit avec elle là n'a jamais toqué sa porte. Hein? Et je porte le nom de. Tu n'as que la bouche, la gueule là va te tuer de l'eau. Moi, je te souhaite la mort. Moi, je te souhaite que tu dailles. Et tu vas bientôt dailler, tu vas voir. Et personne ne sera à ton deuil. Qui va te pleurer? Hein? La petite, dès qu'on te met à la mort, elle va partir directement dans les jeunes, de toutes les jeunes filles. Hein? Qui vient dans mon. Tu crois que quelle personne va venir mettre les fleurs dans ta tombe? Hein? C'est sûr de toi, dis donc. Regarde-moi une sale chienne comme celle qui ouvre ses larges fesses. Elle vient placer sa fesse. On m'a publié nu. On m'a publié nu. Hein? Je n'ai même pas bien parlé des histoires de publier nu dans les réseaux sociaux, mais n'oublie pas que c'est toi. C'est toi. Une fille américaine à ton état. Moi, j'ai tout eu. Les voitures, j'ai tout eu. Toi, tu n'as jamais même conduit. Moi, tu me mets une voiture. Tu me donnes seulement 3 jours pour faire la remise à fond. Ma chérie, je veux conduire. Tu entends, non? Toi, tu peux conduire où? Même le permis, même tes papiers te dépassent à refaire. Va faire des papiers, non? Une sans papier me parle. Une sans papier me parle.
tu fais trop confiance aux gens. Voilà tes mêmes gens, la même team qui te salissent partout. Hein? Tu n'es jamais arrivé. Paul Zibi a dit que ne prononce plus son nom. Il est marié. Elles ont quelles apparences à Facebook que dans la vraie vie, elles ont quelle apparence. Elles répondent même au gros morpion, au scarabée. Elles sont mon morpion et au scarabée, c'est tout. Dans la bonne idée, elles sont quoi? Aïe! Les filles tout d'un seul, maman! En plus, elle vit où? Ouais. Elle vit en Allemagne, maman. Les Allemands sont propres. Là-bas, on appelle encore que la race aérienne là. Parce que eux, ils n'aiment pas ce bronzer. Hein. Les Allemands, les vrais Allemands, ils veulent être blancs, comme ils sont nés. Maman, là-bas. Aïe! Quand tu vas à Baden-Baden, tu les vois là-bas. Maman, tu sois avec moi, tu dis maman. Tu vas parler les trucs, les ramassis de machin, tout là, tu viens parler à Facebook. Hein? Elle a vu que maman ne veut pas prendre elle en allemand. Du coup, là, elle a pris de blanc là-bas, qu'elle a toujours, c'est qui, il est même quoi. On ne sait pas. Voilà. Il faut arrêter, hein? Comme tu as cru que tu comme ta fait un star, tu vas devenir aussi star. Voilà ça là comme vous termine. Non, c'est plus petit. Voilà là, c'est aujourd'hui. Et donc, voilà ça aujourd'hui. 20 ans, mais tu montes les tournesols. Oh, moi, en plus tu vis où? En Allemagne. Enfin, l'Allemagne. C'est le troisième. C'est le, la France est devenue bien. La Suisse en Europe, la Suisse, l'Allemagne numéro 2 du mondial, la Suisse de les États-Unis, dans le classement des pays les plus riches. Tu entends, non? Les Allemands sont deux, ils sont parmi les 10 premiers. La France, on dit qu'ils sont combien? La France a quand même la moyenne. Maman, mais les Allemands dépassent la France, hein? Maman, va à Baden-Baden, hey, va à Munich. D'abord, Munich, ça compte de Zurich. Ah, Munchen. Comment on appelle ça? On a aucun Munchen. Maman. Elles montent leur derrière plate comme la Dabawa. Sur les réseaux sociaux. Elles mettent les longs talons comme ça. Donc, imagine comme les talons à ma taille. Hein? Comme les talons à ma taille. Donc, imaginez pour la situation. Imaginez pour la situation. Qui va la prendre cette manière? Même bien, il est que tu vas passer partout inaperçu. Comme ta scène partout, tu ne peux pas. Moi, je passe partout. Même bien, on me connaît. On me voit. On me connaît. Tu entends? Attends, il y a quel homme? Oui. On me voit, on me connaît, on me sent. Je vais chier, non, on va à l'école. Je vais amener à l'école. Tu entends, non? Hein? Elle parle sur les gens, tu parles déjà qui te dépassent. Hein? Tu as quel âge? Regarde ton visage. Et c'est là que ta soeur dit que quand ta mère est morte, tu avais un duplex. Quand on voit tes photos, tu avais l'air d'une femme qui avait un duplex. Ha! Maman? Ok. Hey, bonjour. Vous allez bien? Non, ça va. Je marche tous les matins. Je marche tous les matins. Mais non, ça va. Mais non, mais j'ai. Je suis enceinte de toi. Bon, allez. Non, je pense, je suis pas enceinte. Je dors. C'est pour ça que je cours. C'est pour ça que je cours. Vous allez courir comme toi. Bah toi, tu es un homme, toi. Tu es un homme. Maman, tu vois que je suis enceinte, maman, c'est grave, on va te se voir à toi. Hein. Okay, tu es enceinte. Regarde celui-là, non. Tu vas à ta boutique?
pas réveiller une mongole. Attends. Je vais te côté ici. Les gens rêvent bien, ils vont te prendre en charge. Ils vont te prendre en charge, n'inquiète pas. Vous arrivez, faites-vous que devenez quoi? Une truc familiale. Mon enfant, ça parle là-bas seul, je fais ma passe. Quand on fait ça parle là-bas seul, toi tu viens, quand tu viens, tu portes ta soeur, quand tu tues ta soeur pour être star. Qui te connaît? Tu travailles à quelle heure? Regarde-moi une saleté comme ça. Une bap, une tue. Comment dites-vous que les tueurs, les tueurs? Hein? Vous êtes tapage, non? Vous êtes tapage. Après, on va voir. Par contre, tu veux y'a comme un petit tapage. L'homme est une sale chienne comme ça, elle n'est pas remarquée. Hein? Vraiment, Facebook, c'est. Facebook, c'est mon Wanda seulement. Dans la Wanda, il y a que, hey, tu es comme ça, tu ne connais même pas une personne. Quelqu'un se lève le matin et commence à t'insulter, hein, pour rien. On t'insulte pour rien. Quand toi tu sors de la sauce, tu es petite, ma chérie. Hein? Mimbang. Lève Mimbang, Binda Mimbang. Tu es petite. Tu entends, non? Tu es petite, tu es né hier, hier. Tu es né hier. Voilà ta soeur que le Facebook départ déjà. Alors le thème de l'émission ce week-end, c'est quoi pour elle? Moi, j'ai le thème de mon émission. Hein. Le thème de mon émission, c'est veuve et orphelin. Hein. Ça fait il y a 3 semaines que je tiens mon émission. Hein. Et ça fait pas 3 semaines qu'elle tient. Elle est entrée dans les clashs. Les clashs matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Clash, 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 clash. Je comprends que tout le monde l'insulte partout. Et moi, je suis comme vous. Ça fait une heure que je suis là. Non. Je veux réveiller un enfant là. Non, c'est moi qui l'ai amené à l'école aujourd'hui. Elle a fait mon parcours vita. Je l'ai amené ma petite fille à l'école. Bon, ceci, mes Waros, merci beaucoup pour les 50 étoiles. Merci pour vos commentaires. Merci aussi pour les cœurs. Sachez que Facebook, c'est comme ça. Quand tu fais quoi? Il faut répondre ça à ma phone. Non? Il faut répondre à Solange, mais tu peux répondre. Si vous êtes un moyen faible, je ne suis pas un moyen faible, hein. Non, 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 non. Tu attends, on a la commande. En que vous vous bouffez. Hé, hey, son âme vient finir avec vous, nan, bam. Tu vas venir mettre seulement l'arôme magique sur ça. Pour que ça soit encore sucré. Je vous laisse, je dois monter. À tout à l'heure, je reviens tout à l'heure. Merci.